Quand vous êtes entre vous, ne vous battez pas, ne sortez pas les armes. Restez vigilants, courtois et respectueux des personnes qui vous entourent. Alors, je suis Christophe Gava, commissaire divisionnaire, et je suis le directeur territorial de la police nationale de la Guadeloupe. Alors, nous sommes réunis ici aujourd'hui parce que ce a été programmé une opération que, dans notre jargon policier, on appelle 78-2 du code de procédure pénale. C'est-à-dire que sur réquisition du procureur de la République, cette dernière nous autorise à aller faire des opérations de contrôle de toute personne se trouvant dans un quartier défini pendant une période définie. Moi, je suis le commandant Franz Archimède. Mes fonctions chef IOP, chef unité d'ordre public. Donc mes missions consistent au maintien de l'ordre, établissement de l'ordre, l'anticriminalité, la sécurisation un petit peu sur le terrain. C'est important pour nous de pouvoir assurer un petit peu de que tous les coins, tous les secteurs soient sécurisés, que la population se sente en toute sécurité. Donc il est important que la population ou tout individu puisse pouvoir circuler sur un secteur sans pour autant se sentir agressé. Pourquoi ? Parce qu'on a constaté que sur ce quartier-là en particulier, il y a eu une recrudescence d'un certain nombre de faits délictuels, consommation de stupes, consommation d'alcool au volant, vol à l'arraché. Et pourquoi ? C'est en prévention pour prévenir à nos concitoyens que pendant toutes les périodes des fêtes d'année, nous serons présents sur le terrain à multiplier ce type d'opérations. Ces opérations ne font pas toujours l'objet d'une médiatisation, mais chaque semaine, toutes les semaines, nous menons des opérations routières sur le terrain, des opérations de 78-2, des opérations anticriminalité. Donc c'est les missions de la police nationale et que nous sommes sur ces missions quotidiennement. Tout à fait, je viens de me faire contrôler. Et ce type d'opération, comme je le disais, c'est bien que ce soit mené de temps en temps, puisqu'on a pas mal de problèmes à cause de la circulation d'armes. C'est plutôt rassurant aussi, parce qu'il faut vraiment que ça cesse et avoir la présence de la police est rassurant. Il y a 12 interpellations. Une interpellation pour une fiche de recherche, une personne recherchée par la justice. Une deuxième interpellation d'une personne trouvée en possession d'herbes de cannabis et en possession d'une arme blanche. Et donc nous avons effectivement effectué 2 AFD, c'est-à-dire des amendes forfaitaires délictuelles, des personnes qui ont été trouvées en petite quantité de produits stupéfiants. L'objectif pour nous, c'est déjà de montrer notre présence, comme je l'ai signalé, c'est d'assurer la population qu'elle puisse circuler en toute liberté. Moi, j'y suis favorable parce que je pense qu'il faut une présence de la police pour rassurer tout chacun aussi. Et j'espère que ce type d'opération se renouvellera à l'avenir. Pas trop souvent, mais je pense que déjà, pendant les fêtes, c'est une très bonne chose. Nous sommes là pour permettre justement à cette liberté d'aller de circuler sur tout le territoire, donc notamment dans certains secteurs. Et dès qu'il s'agit pour nous de constater que certains secteurs, il y a certaines infractions qui sont constatées, il nous appartient en tant que force de police de pouvoir intervenir, de pouvoir mener des opérations, de pouvoir sécuriser ces secteurs. Le message que j'ai à passer, c'est premièrement, soyez prudents. Deuxièmement, ne consommez pas trop d'alcool quand vous prenez le volant derrière. Cette période doit être avant tout une période festive et doit le rester. Quand vous êtes entre vous, ne vous battez pas, ne sortez pas les armes. Restez vigilants, courtois et respectueux des personnes qui vous entourent, qui souvent sont des proches, voisins, famille ou amis.